Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Mario plus Rabbids Kingdom Battles. Donc on va tout de suite continuer pour la cinquième vidéo si je ne m'abuse, hein, avec le monde de 6. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que bah, oui. Et on y va. Lag. Qui a basé sur le déplacement. Ok. Il est assez solide lui, donc ça devrait aller. Ma cachette a sauté. Il y a des gros ballons. Hein. Je voudrais activer le chrono typique de ma part. Oups. Non, il reste tout ça, j'y crois pas. J'y crois pas. Here we go.
Brain. Il approche. Et voilà. Un nouvel ennemi. Le protecteur, les blindés malfaisants. Un, deux, trois, quatre. Le protecteur, voici une astuce, vous pouvez les contourner pour que vos attaques ne soient pas bloquées par le clic. Comment ? Oui, cette info peut être évidente, mais saviez-vous que leur charge peut être explosive? Bon, je suis là. Le déplacement. Nice. Et ben voilà.
Je l'ai braqué. Pièce. Lui, il est mort. Mais quoi là? Pourquoi t'as pu... Sérieux là? T'as pu attaquer quand même? Allez. Voilà. On va tenter celui-ci. Intérêt à passer. J'ai pas cette décanisse. Hop là. QG. Pour le moment, Bacardi. Ça, on garde. Je dis pas pitch encore, donc pas besoin. Ok. Moi, c'est toute cette petite pièce. Hein. Oh, un pauvre. Quand on sait de quoi c'est le cosmos. Ah. Il soit au service. Merde. Ah d'accord. J'ai une ligne bien sympa. Hein.
Changement d'environnement. Tempête de sable. Y aller. Pas aller là. C'est l'heure d'aller voir faire quelque chose de constructif. Ouais. Ce que ça donne. Nous là, arbre cornichon. Qu'est-ce que ça va? Voilà. 10 heures de puissance. Puissance maximum. Et c'est donc intercepteur. On se casse. Toujours une tempête. Est-ce que tout droit il y a quelque chose d'autre? Ah, c'est la suite. D'accord. La boîte fusée, je ne suis pas tranquille, passons rapide. Ici. Et je peux rien faire. Ce sera pour plus tard. Allons à la suite. Donc le 1-2-7. Je pense que ça va jusque 9 à chaque fois.
Non, de Brahma, oui. Pas pourquoi j'ai pris cet accent. Salut Vince Gamer Show 01. Comment vas-tu? Bon, parce que je suis en live sur Twitch aussi. Alors. Oh non, attendez. Comme ça donc. Voilà, je suis comme en 2, donc c'est vrai qu'il est assez difficile. Il n'est pas pour un public jeune. Faut avoir un petit peu de réflexion, mais quand on a le gameplay, ça va. Comme un XCOM quoi. Très bon jeu d'ailleurs. Sinon ça va très bien. Du tuning pas trop dur. Ah, j'ai rien dit. Faut que je le fasse d'abord. Passer. Ah non, je peux pas. Ah non, mais je suis pas fut-fut, hein. Je crois que je me suis bloqué en plus. Non, c'est bon. Ah bah je compte faire la même, j'ai déjà fait les 10 défis du premier monde. Chapitre secret, là je vais faire la même chose pour celui-ci. On va voir ce que ça va donner. Bon, après j'ai le jeu que depuis hier, hein, donc. Pas vraiment eu trop le temps d'avancer. Ouf. On pousse. Moi je crois qu'il y a que 4 mondes hein, vite. J'en ai vu que 4. C'est vu qu'il y en a plus après, mais je l'ai pas vu. C'est vrai que c'est très prenant. J'avais un peu du mal à commencer XCOM, donc je me suis dit pour un jeu du même style, de prendre un jeu un peu plus, on va dire un peu plus facile, même s'il y a un certain niveau de difficulté sur ce jeu, mais ah, ça je peux pas le faire encore. Mais ça va, j'aime bien. C'est un bon jeu. Un des hits de la Switch, on va dire. Après, malheureusement, c'est en 30 FPS, donc ça lag un petit peu, mais bon. Par exemple, là, ça lag. Allez, un petit combat après cette petite énigme là. Vaincre tous les ennemis. Ok, on verra bien cette façon, Vince. Je compte finir les 4 mondes aujourd'hui.
Oui, c'est en air, là, voilà. Je pense comme ça, mais dans le désert, les choses peuvent changer rapidement. Vite, de devenir énorme et emporter tout le monde sur son passage. D'accord. Bien. J'aurais peut-être dû faire ça avant. Alors. Oui, je compte les finaliser les 4 aujourd'hui. Au moins une première fois, après sans faire les défis obligatoirement. Ça prend à peu près 2 heures pour finir un monde, donc ça va être assez rapide. Hein. Hop là. Ouais, je me suis mal pris pour faire ça. Bah je pour l'instant j'ai tout en parfait là, donc je vais chercher aussi le mode parfait. Hein. Il faudra que ça prenne un peu de temps, mais c'est pas grave. On aura un peu de temps. Que j'apprenne à lui à tirer avant d'être dehors, enfin avant d'être caché, fin. Ça va me jouer des tours sinon. Ouais, c'est bien qu'il y ait de la difficulté dans un jeu Mario, on en a rarement. Ça va, le premier boss du jeu était pas trop dur. On va voir ce que ça va donner le deuxième. Ah, la tornade, putain. Nice. T'as rien fait? D'accord. Bye bye. Boom. Ah, je me doute ça. Là, c'était juste du bourrage. On va essayer de trouver un champi. Tiens. Il devrait y en avoir un sur la route. Ah. Ok, on va bien voir ça. Je vais changer mon Luigi. Il est un peu low en vie. Non. C'était quoi que je voulais mettre? C'était ça. J'ai le choix. On va mettre le Papitch. Ah bah non.
Je me disais bien qu'il y avait un champi. C'était obligé. Donc on va regarder la même équipe. Ouais, je sais pas quelle est la meilleure combo, on verra bien. Un coffre. Alors, coffre avec objet d'or, c'est facile à trouver. Ah oui. Avec les protecteurs. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais, là ça va être coriace. Ah bah non, c'est bon. Je sais comment faire. Ça va être simple. Je vais prendre des dégâts, mais c'est pas bien grave. J'ai bien fait de prendre Luigi. Pas grave, des dégâts que je prends, de toute façon je serai régène à la fin. Faut juste faire ça. Hop. On va limiter les dégâts pour notre prochain Mario. Avec la capacité de double saut d'équipe de Luigi. J'ai bientôt fini. Je crois que c'est ce tuyau. Ok. Ah, je suis glu. Oui, moi je le laisse quand il y en a besoin parce que là. Ah, un dégât! Ah, ça c'est chiant par contre. Ça va, il m'a loupé. Nice! Ça va, j'ai connu pire, hein, clairement.
Ah, coup critique aurait été bien même. Bon. Et je les aurais tous tués. Boom. Après, l'avance rapide ne fonctionne que pour les ennemis, donc d'abord, il y a pire. Petit coup critique. Pas besoin, les deux sont morts. Bon bah voilà. Un peu easy pour celui-ci. Si jamais le son est un peu trop fort, tu me dis... Quand vous me dites, hein, je baisserai. Je baisserai le son, je le montrerai, si jamais ça arrive, etc. Voilà. Je veux encore un tour pour le faire, je crois. Prochaine zone. Magnifique, apparemment le gentil héros ne peut plus se passer de toi, Spawny. Je me demande bien ce que tu pourrais créer de nouveau pour leur faire plaisir. Tu as intérêt à t'appliquer. Pauvre Spawny. Allez, à toi de jouer. Créer quelque chose qui sort de tes cauchemars. Parce que sinon tu vas le regretter, crois-moi. Arrête de gigoter en douille, tu vas finir par tomber du... Ce qui devait arriver, arriva. A tout Vince, je vais manger dans pas longtemps, donc t'inquiète, je n'aurai pas fait le post normal. Je mettrai en pause le live pendant 5-10 minutes, histoire de manger. Plein de choses à faire et des soucis paternels arrivent. L'appel de la montagne. Salut les Crozers, comment ça va et toi? Moi ça va bien. Bienvenue sur le live. N'hésitez pas à dire si le son est haut, trop bas, si ça lag, etc. Je ferai des ajustements. J'ai pas énormément de public. A tout Vince. Boîte au beigne. Oh, t'inquiète. On va voir ça. Mais j'ai encore le temps, c'est la prochaine étape. Là, ça va, c'est tranquille pour le moment. Tempête de glace qui va droit. Hop.
prendrais Peach dans ce cas-là. Enfin, Baby Peach plutôt. Bon, je vais me prendre la tempête, c'est pas grave. Alors, comment elle veut passer? Elle va passer dessus ou à côté? Flûte. Oh! Ça va faire mal. Non, nice. Oui, bah pour le moment j'ai ce qu'il y a de mieux, donc j'ai pas vraiment d'autre choix à faire. On a déjà bougé celui-ci, donc... Voilà. Il y avait encore un heal. On va aller par là. Est-ce qu'on peut l'écraser lui? On va rester là. Non, les 100 dégâts, c'est pas tout de suite. Je les ai pas encore. Je vais tenter de donner lui. Ça va marcher. Bon, j'ai les dégâts, j'aurais tous les augmenter avant, c'est pas grave. Oh merde! Te buff pas! Non! Pas grave, il sera pas en parfait. Il va falloir que je le refasse en parfait plus tard. Il s'est congelé tout seul. Quel idiot! Et je sais pas encore à quoi sert l'encre, si jamais tu sais, je peux m'indiquer. Ça pourrait m'aider. Yeah.
Ça sent la merde, j'avais pas vu ça, j'avais complètement oublié ces tuyaux. Va vers Mario, s'il te plaît. Ça, c'est pas Mario. Bon, deux en rip, c'est pas grave. Tout lui survit. D'accord. Comme congélation, quoi. Ah. Vraiment, ça n'a pas marché. Oh là, je suis mort. Ça sert à rien. Là, c'est la balle. Pas grave. Je vais essayer de voir si je peux changer les armes. Dans cette zone, le Mario lapin, pas Mario, est pas très utile. On va recommencer la bataille. Pourquoi une game over? Alors, sélection d'équipe. Sélection des armes. Là en miel. On va prendre deux fois du miel. Hein. Ah, c'est ça, mais surtout que là, comme c'est des zones qui sont très sensibles avec des blocs de glace qui se cassent en un coup, ça peut être très utile. Alors attendez, je vais revenir. Petite pause de 5 minutes. Je reviens.
Voilà, me revoici, des souris. Merde. Bon. Voilà. Ouf. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, désolé. Bon, non, que j'ai que celui-là. Alors, un petit QG. Oui, j'ai pris l'angle pour l'UJ. J'ai regardé quelles compétences je pourrais prendre. Je suis en train de le faire. Par contre, je sais pas quoi prendre. Case en plus, non merci. Ça devrait être bon. On peut y retourner. Donc vaincre 6 ennemis. Alors la tempête, ça va, elle est dans un bon angle, avec le tout à l'heure en tout cas. On va tirer avec Mario. Ça, il est congelé. Mario time. Putain, pas de coup critique, attends. Bon là, il y a intérêt à faire beaucoup. Voilà. Coup 5 ennemis à tuer encore. Très bien. Fonctionne bien. Ah mais non, pas censé m'avoir touché toi. Travers un ennemi, ok.
On voit rien avec cette vue. Après, on va d'abord s'occuper de lui. Non, pas par là. Alors, oh yeah, golden. Time to play. Et toi, tu vas nous heal. Normalement, ce que je fais, ça devrait être bon. Ok, tour de l'ennemi. Pu exploser la cage de congélation. Voilà, je peux parler moi. On va poser ça pour que ça fasse diversion. Et on va passer. Ah, on passe. T'as pas prévu ça? La Muppet est morte. Si il utilise son sort, je suis mort. Ah, c'était pas prévu. Mais non! Ah, ça c'est chiant. Je suis dégoûté. Je vais me reprendre la même tornade en plus. Ou si là il meurt pas, je Revins. On galère un petit peu là. Allez, mais meurs. Mais. Ouais, non. On va recommencer la bataille.
une personne qui meurt, je veux bien m'aider là. Les tornades qui sont trop aléatoires. On va recommencer direct. Je veux avoir le bon courant de la zone. Voilà, là c'est la bonne tornade. Donc voilà. Bon, on tape là. Non putain, je me suis fait. Ouais non c'est mort. Non, il faut que je fasse attention. Prends plus de temps pour le faire. On rush moins. C'est déjà pas la bonne tornade. Pour avoir le parfait il faut. Il faut tricher parfois. Ah, pas trop mal, ça va. Pas trop mal la tornade. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Tornade normalement est en diagonale. Hein. Hop. C'est le prix de heal. Ah là 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 là. Ouais non. Elle est en tente critique. Et voilà. La chance. Dire qu'il était low life, non, il est full heal. Et pourquoi je m'embête?
sort un. Allez, toi, ancré. Non, il veut pas. Mais il est congelé, il peut pas soigner. Allez, miel-toi, s'il te plaît. Non. Allez, coup critique, s'il te plaît. Oh. Merci de toucher. Ne bouffe pas. Critique, c'est ça qui est bien en main. Alors que lui, il est critique. Hein. Faites que ce soit suffisant, s'il vous plaît. Normalement, ça va être bon. Ancre-toi, ancre-toi, ancre-toi. Bra bra bra, salut Dargon. Voilà, il est ancré. Voilà. Normalement, c'est toujours pas bon. Très bien. Voilà, là, c'est bon. Eh ben... Non, pas été facile, hein. Changement de perso... non, c'est pas besoin de changer. Des petites pièces. Merci, merci. Donc ça va, vous m'entendez bien? Pas trop fort le son du jeu, pas trop fort le son de ma voix. Dites-moi. Hein.
What? Ok. Ok. L'image aussi nickel. Là j'ai mis un bitrate de 6000 donc je sais pas si ça... Pour les connexions, je sais pas si c'est lourd ou pas. Je peux baisser. Hop. Ok, merci bien. Oh non. Je la sens tellement mal cette zone. Protecteur. Un démolisseur. Bon bah c'est parti. Pas vu combien ils avaient de points de déplacement. Allez, très bien, ça c'est déjà hit déjà. Il n'y a plus beaucoup de points de vie, il va être mort. Très puissant ces double hit sur les pouvoirs héroïques. Oh non, en fait ça va, j'ai rien dit. J'ai fait pire. Ouais, elle est stylée. Ouais. Oh, il m'a miel quoi. Ah l'enflure. Je peux pas le taper. Non, non, celui-là, ça va, il est simple. Je vais pire, je vais pire. En deux tours, c'est torché. Et bon, le caramel. Deuxième tour sur quatre. Pas de pièces ici.
Bon, y a rien. Y a un pattern à faire ou... Là pour le moment. Il est bon, je le vois. Alors, pas tout de suite le boss, je pense. On est que au 1-9, au 1-8, je pense là. Qu'une case à côté. Non, bah, j'ai tout à l'heure. Oui, je veux. J'ai cru voir. Ok. Là, je veux dire, je suis bloqué là. Voilà. Je me rappelle tellement l'un des Pokémon, je sais plus c'était quoi son nom. C'est bon, je l'ai. Je suis free. Ouais, je me suis. Ça me fait penser à la reine de glace. La reine de glace qu'il y avait. Je rencontre mon micro. Voilà. Ah bah non, je l'ai pas. Merde. Ah si, c'est bon. La reine de glace avec ses énigmes qui ressemblait à Donf. Bon, ses énigmes, voilà, je parle bien entendu. Pour accéder aux arènes. Des choses comme ça. Voilà. Nostalgie, nostalgie. Faut pas aller là-bas, hein? Ouais. Bien caché, donc. Ouais, c'est ça, dans Roi Argent. Je savais plus c'était dans lequel. Eh ben dis donc, c'est l'étape des énigmes.
La Twilight Princess, je l'ai pas fait à donc je m'en rappelle plus trop de celui-ci. Alors, conseille de regarder comment on fait. Faut qu'il soit là. Comment il peut arriver là? Pas bon. Moins que. Ouais, je lève. J'aille là, quoi. Bon, il faut que j'aille là. Ok, je vois. C'est bon, je l'ai. De dire s'il s'agit du même Lampakata ou de deux voisins qui essaient de s'éviter. Mmh. Ah, c'est le boss. Vous aviez raison. Un petit tour au QG. On va regarder du miel là. Hein. Comment il va ressembler, je sais que j'ai besoin de heal apparemment. Oh bon, miel façon. Je vais la pousser. Oui, c'était le boss, mais j'avais pas vu. J'avais pas vu que c'était aussi rapide déjà. Du miel. Faut que je prenne un autre encre. Alors, les 59 points, qu'est-ce que je pourrais faire avec tout ça? Ça, on va prendre. On va garder ici. Là, il n'y a rien d'utile pour le moment. J'utilise pas. J'utilise. Voilà. On va dire que c'est bon. Ah, j'ai oublié le dernier. J'utilise pas de toute façon. Je sais pas pourquoi je regarde. Donc je pense qu'avec cette team on est bien. Et c'est parti.
Golem de glace, il adore briser la glace. Un petit Mr. Freeze. Oh, il y avait un Coca, de la pub pour Coca. Oh. Ouch. Il a jeté un froid. Qu'est-ce qu'elle fout là? Salut Mary Poppins. T'arrives à prénommer, dites-moi. Attends. Eh mais j'ai jamais demandé, à ce que Luigi soit remplacé. C'est quoi ce bordel? Tu te crois où, sale pervèche? T'as quoi comme gap aussi? Bah ouais, tu m'étonnes que t'étais dead. Enfin, que t'étais dead, pardon. Avec moi, je suis enchanté. Putain, je vais pas me cacher. Oh la merde. Ah. Oh, comme dirait Denis Brognard. Allez, sois miel. Immunité, fuck. Tiens, un cadeau, ma grosse. Est-ce que vous savez s'il a plusieurs phases ou s'il a qu'une phase? Ça va me traiter de savoir. Ah, d'accord. Il l'a acheté dans le frigo. On va voir ça. Ah d'accord, j'avais pas vu. Excuse-moi. Je disais, what the fuck? Je pensais qu'on allait se battre à 4. Eh ben non. Il a qu'une seule phase ou pas le boss? Parce que j'ai là que 500 points de vie. Ça peut pas être difficile, hein. Il a déjà plus de vie là. Il a même pas congèle. Je vois pas de problème. La roche, hein. Ah, je me disais bien. C'était un peu simple.
Je prends pas du rush avec Mario, il va se prendre des tatanes. Adieu Mario. Ça aurait été un plaisir. Oh ça va. Y'a pire. Alors là j'aurais besoin de savoir, est-ce qu'il a une prochaine phase ou pas, ou est-ce que je peux le déboîter à ce tour-là? Oh merde. Pas grave. Parce que trois phases, faut quand même, hein. Le tu verras. Bien sûr, je peux pas les sauter dessus. Ah. Ok. De toute façon, je suis suffisamment loin. Ouh, il y a les ennemis qui sont là, de toute façon. Taper avec mon main puissant. Donc avec ma petite princesse. Qui a un fusil. Ok. Combien d'HP? Je peux pas voir. Hop, t'es miel là. Full life. Oh non, il y en a d'autres. Shit. Oh non, des healers. Alors que je les détruise assez rapidement. Musique épique quand même, hein. C'est fou, hein. Ouais, j'avoue, il y a un bon son de jeu. Oh non, une caisse près. Ah, je suis deg. Je suis un méga deg.
Bah ouais, bah du coup, oui. Hors zone, tu m'étonnes. Te heal pas, s'il te plaît. Salaud. Donne ces foutus healers. Coup critique, s'il te plaît. Non. J'aurais bien aimé. Pas besoin de se cacher de lui, de toute façon. En tous les cas, il va nous attaquer. Normalement, prochain combat, c'est bon. Oh, donc oui, ça va, il a un petit... Palmarès, je risque de prendre des dégâts, ça, là. Je préfère qu'il meure plutôt qu'il se régène. Ah, je préfère prendre des dégâts plutôt qu'il se régène. Celui qu'on va faire bouger, ça va être Peach. Soit assez dispersé. Ah, j'ai pas débloqué la capacité pour lui. Dommage. Ça aurait pu être pas mal là. Je sais pas pourquoi j'utilise, il va pas bouger de toute façon. Ouais, par contre, c'est obligé que c'est sa dernière phase, quoi. Flûte, ça va faire mal. Vite, mielle-le. Non, la pire des choses. Ce foutu rebond. Oh, ça va, je connais pire en boss, hein. Bon, après c'est le premier, enfin c'est le deuxième. Il doit avoir pire que ça. J'ai envie de prendre les pièces tout de suite avant qu'elles disparaissent. Je pense qu'on est bon pour le faire emporter là. Non, mais parce que quelqu'un tout à l'heure était venu sur le chat disant qu'il était assez difficile.
Oh non, ça va. Il y a bien, puis... Bon, de toute façon, il n'y a plus aucun mot pour nous emmerder. Je vais même pas avoir besoin de bouger, tu sais. Allez. What? Je fais un paquet de dégâts là. Oh voilà. GG. Ah non, c'est pas fini. Merde. J'y avais tellement cru. Ah bah il faut juste l'écraser quoi. Ouais voilà. J'ai trop de pas à la télé la question. La compuissance dans le pied cette petite. Oui, t'es bien dans le frigo. T'as l'honneur de monter parmi nous, votre Altesse. Puis-je vous suggérer que nous retournions au château pour nous préparer pour le prochain match? Ce serait royal. Pourquoi à chaque fin de chapitre il finit comme ça? Oui, c'était au travail, et deuxième c'était royal, majuscule. Bon, au moins j'aurais pas à faire ce boss. Et tous déterminés et allez, prêt au combat. Vive la princesse, personnalise-la royalement en modifiant son arbre de compétences. La santé de remontée, nouvelles âmes, explore le désert sorbet. De lourdes statues crétins. D'accord. Alors, je vais juste voir combien de temps que je suis en VOD. Ouais. Donc on va aussi arrêter cette cinquième VOD sur un pas crétin. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, surtout s'abonner à la chaîne. Ciao.